Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler du 16e point du plan de destruction de la messe organisé par les francs-maçons grâce à l'élite maçonnique ecclésiastique. Ce 16e point est fondamental. Abroger l'exorcisme mineur pour expulser les démons. Engagez-vous à annoncer que le diable n'existe pas. Expliquez que le diable est la méthode adoptée par la Bible pour désigner le mal et que sans un méchant, il n'existe pas d'histoire intéressante. Ainsi, les gens ne croiront plus à l'existence de l'enfer et ne craindront pas d'y tomber. Expliquez que l'enfer n'est rien d'autre que l'éloignement de Dieu. Il n'y a rien de terrible en cela, puisqu'il s'agit fondamentalement de la même vie qu'ici sur Terre. Bien, c'est un point fondamental. C'est-à-dire de nier l'existence du diable et de l'enfer. Je sais et j'ai l'impression que pour le diable, c'est fondamental. C'est un point excessivement important. Il ne faut pas que les gens croient que l'enfer existe. Tout tient sur ce passage. Aujourd'hui, on ne nous en parle plus, mais alors quasiment pas du tout, sauf dans les églises traditionnelles. Il ne peut pas exister d'enfer. Et si on n'en parle pas, c'est que ça a une raison, et c'est sa raison, c'est que nous allions en enfer. Et ne croyons pas en l'enfer, on ne croit pas en Dieu non plus, ou pas vraiment. Et oui, on nous dit aussi, eh bien, que c'est seulement l'éloignement de Dieu. Ben, j'ai souvent entendu parler de ça. Que c'est l'éloignement de Dieu. L'enfer, c'est l'éloignement de Dieu. On est éloigné de Dieu. Et c'est pas plus grave que ça. Parce que Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas y avoir d'enfer. Et ce n'est plus l'enfer, c'est seulement un éloignement de Dieu. Et que c'est la vie qu'on a sur terre ne sera pas différente de celle qu'on va avoir dans le ciel. En fait, j'entendais qu'une fois, parce que j'expliquais dans le catéchisme quand j'étais jeune, c'était fondamental parce qu'on nous disait qu'on était déjà sauvés. Moi, j'expliquais que ça, c'est pas possible de dire ça. Déjà, parce que notre vie n'est pas finie et qu'on n'a pas eu notre jugement. Quand on dit qu'on est déjà sauvé, ça voudrait dire que tout le monde va au paradis. Et moi, j'expliquais que cela, on ne pouvait pas le dire. Mais après, on m'a largement combattu en me disant qu'en fait, je me trompais largement parce qu'on était déjà sauvés. Et c'est ce que le Christ aurait expliqué au damné qui était à sa gauche. Il ne lui demande pas, lors de la croix, il ne demande pas pardon. Mais celui qui était à sa droite, lui a demandé pardon. Donc certains prêtres expliquent, vu que lui demande pardon, s'excuse, le Christ dit, tu es déjà sauvé. Donc, ils assimilent cette parole à ce que tous les hommes de cette même manière sont déjà sauvés. Mais ils ne nous parlent pas de l'homme de gauche qui, lui, continuait à blasphémer, ne demandait pas pardon, et lui n'est pas sauvé parce qu'il ne l'a pas demandé. On ne nous parle que de l'homme de droite, en disant que pour tous, pour tout être humain, ce sera la même chose. C'est faux. Une autre fois, je suis allée dans une réunion où on allait nous parler d'exorcisme. Tiens, ça peut être intéressant, on peut toujours apprendre de bonnes choses. Eh bien, pas du tout. Pendant plus de 2 heures, on nous a, un prêtre qui était là, dont un prêtre exorciste, eh bien, a voulu qu'on sorte de là en pensant que le diable n'existe pas. Et qu'en fait, c'était nous qui étions quasiment possédés. Et que quand on sortirait de cette réunion, ben, on ne le serait plus. Mais ils utilisaient des termes non pas religieux ou spirituel, mais des termes médicaux comme des psychiatres. Et il fallait qu'on donne notre nom si on voulait intervenir et dire ce qu'on avait à dire, d'accord ou pas d'accord. Et en fait, ben, c'est le contraire qui est arrivé. On est sorti de cette réunion, il fallait qu'on croie que l'enfer n'existe pas, le diable non plus. Cette réunion était organisée par une paroisse de Paris. Ça valait le coup d'y aller. Comme quoi c'est fondamental que nous continuions à croire que l'enfer n'existe pas, parce que pour faire une réunion, pour qu'on finisse par croire que l'enfer n'existe pas,
C'est que c'est donc très important de croire qu'il existe. Mais surtout pour ne pas y tomber. C'est fondamental. Aujourd'hui, d'ailleurs, le Christ, si lui est présent et se montre, ben Satan ne se montre pas du tout. Il fait croire qu'il n'existe pas. Il y a une raison. Point numéro 17. Enseigner que Jésus était seulement un homme qui avait des frères et des sœurs et qui haïssait les détenteurs du pouvoir. Expliquer qu'il aimait la compagnie des prostituées, spécialement celle de Marie-Madeleine, qui ne savait pas quoi faire des églises et des synagogues. Dites-leur qu'il avait conseillé de ne pas obéir au chef du clergé et qu'il avait expliqué qu'il était un grand maître, mais qu'il avait dévié du bon chemin et qu'il nia l'obéissance au chef de l'église. Décourager toute discussion, présentant la croix comme une victoire. Au contraire, présentez-la comme une faillite. Présenter la croix comme une faillite, notre pape François l'a fait, hein. Il a dit dans une de ses messes, que c'était une faillite la croix. Et toute son audience, prêtres, sœurs, religieux, catholiques, ont applaudi à cette parole de notre cher pape François. Il a dit oui, que c'était bien une faillite quand le Christ est mort en croix. Aberrant. Ça a été filmé cette séance, hein. Ce passage de François disant cela. Donc, mais il a exécuté encore un point, le point numéro 17. Je trouve qu'en fait, François exécute beaucoup de ses 33 points, ou moins les finit, mais les finit totalement et les exécute dans toute sa splendeur, hein. On a souvent entendu dans les homélies, dans les églises conciliaires, mais que le Christ était un homme et qu'il avait des frères et des sœurs. On entend souvent qu'il avait des frères et des sœurs. Alors qu'en fait, pour qu'on nous, on pense bien que c'est seulement un homme. Alors qu'en fait, ce sont ni ses frères ni ses sœurs. Ce sont des cousins. Ce qu'on dit chez les juifs, frères et sœurs sont les cousins. En plus, ce ne sont pas vraiment ses cousins, puis ce sont ils sont cousins que par mariage, parce que Joseph a épousé Marie. Mais ce ne sont pas du tout ses cousins. Pas du tout. Ce sont bien les neveux de Joseph, mais pas du tout les cousins de Jésus. Ce qui nous ferait dire que Jésus est seulement un homme, à l'image de ce que nous disent les musulmans. Ils disent que Jésus est un homme, qu'il eut des frères et des sœurs. Là-dessus, ils se trompent. Et qu'il aimait beaucoup les prostituées. Ouais, on entend beaucoup ça aujourd'hui, hein. Mais qu'il faut beaucoup aimer la compagnie des prostituées. On entend beaucoup cette parole en ce moment. Et on la voit beaucoup dans l'église conciliaire. Hein. Il y a beaucoup d'alliances. 18e point. Souvenez-vous que vous pouvez amener les religieuses à quitter les couvents en flattant leur vanité, leur charme et leur beauté. Faites-leur changer l'habit et cela leur portera tout naturellement à rejeter le rosaire. Faites connaître au monde les dissensions qui existent entre les couvents et les vocations cesseront. Faites comprendre aux religieuses qu'elles ne sont plus acceptées si elles conservent l'habit religieux. Favorisez le discrédit de l'habit ecclésiastique et religieux parmi les gens. Mais j'ai appris il n'y a pas si longtemps qu'en fait, Benoît XVI s'est allié avec une journaliste qui a fait un journal au Vatican pour défendre le féminisme dans l'Église catholique. En fait, elle a fini par abdiquer en quelque sorte, en renonçant à ce journal, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait beaucoup de gens contre elle. Ça a été dit et expliqué dans le journal 20 minutes au mois de juin. Ah oui, le journal 20 minutes en parle. C'est dingue. Et cette journaliste, soutenue par Benoît XVI, a fini par arrêter sa création de ce journal féministe, où elle dévoilait des choses qu'il ne fallait pas dévoiler. Et elle était sûrement pour ce genre de choses, que les religieuses quittent leurs habits, etc. Elle aurait bien soutenu ce point numéro 18, hein, et ce point numéro 18 est donc soutenu par Benoît XVI. Curieux.
Ben oui, j'ai vu moi des religieuses sans habit. J'en ai connu. Et comme l'a expliqué, ben, portez plus l'habit et bientôt vous ne prierez plus. Ben, ça va avec. Elles s'en rendent pas compte. Mais c'est fondamental. Portez l'habit. Et vous continuerez à être des sœurs qui sont bonnes. Parce que malheureusement, cette sœur que j'ai connue, pas ben, une des sœurs que j'ai connues, qui n'avait pas l'habit, ben, elle comptait le catéchisme des handicapés. Mais c'était plus du catéchisme qu'on faisait. On ne parlait pas de Dieu, on parlait des choses, de la vie, mais pas de Dieu. C'était un catéchisme plutôt curieux. Mais ça n'avait rien de catholique. Et cette sœur, qui était d'ailleurs très gentille, que j'aimais bien, en fait, le catéchisme, c'en était plus un. Point numéro 19. Brûler les catéchismes, les enseignements de religion doivent plutôt enseigner à aimer les créatures de Dieu que Dieu lui-même. Le fait d'aimer ouvertement est un signe de maturité. Utilisez le mot sexe couramment dans vos cours quotidiens d'instruction religieuse. Faites du sexe une nouvelle religion. Introduisez des images de sexe dans les cours religieux pour enseigner aux enfants la réalité de la vie. Assurez-vous que les images soient claires. Encouragez les écoles à devenir progressives et en matière d'éducation sexuelle. Introduisez l'évolution sexuelle par l'intermédiaire des autorités des évêques. Ainsi, les parents ne s'y opposeront pas. C'est vrai que quand les évêques interviennent, ben les catholiques, ben ils pensent qu'ils ont raison. Donc ils les suivent. Ils se posent plus de questions. Ils obéissent. Disons, ça peut être qu'un homme bon, c'est un évêque. Maintenant, quand il est franc-maçon, il ben faut s'en méfier. Mais en fait, ce qui se passe dans cette éducation sexuelle, je ne la vois pas aujourd'hui dans l'Église catholique, je la vois dans les écoles laïques. C'est ce qui est en train de se passer depuis un an déjà. Par contre, oui, effectivement, c'est aujourd'hui dans les écoles catholiques, parce que l'enseignement sexuel est arrivé dans les écoles catholiques, parce qu'elles sont liées à l'État. Donc cet enseignement catholique est bien fait dans nos écoles. Par l'ordre de l'OMS dans les écoles. Et voilà, ce point numéro 19 est fait, exécuté dans nos écoles, mais par l'ordre de l'État, dans les écoles catholiques qui sont en lien avec l'État et qui sont obligées d'obéir à ce qu'on leur demande de faire. Donc dans nos écoles catholiques. Ce 19e point est exécuté, malheureusement, depuis un an. Vous voyez que tous ces points sont en train de s'appliquer aujourd'hui, en 2020. Point numéro 20. Faites disparaître les écoles catholiques par tarissement de vocation de sœurs. Dites aux religieuses qu'elles ne sont que des assistantes sociales sous-payées et que l'Église est sur le point de les éliminer. Insistez pour que l'enseignement laïque catholique reçoive le même salaire que l'enseignement les écoles laïques et engager les enseignants non catholiques. Les prêtres doivent recevoir le même salaire que celui des employés laïcs correspondants. Tous les prêtres doivent abandonner leur soutane et leur croix, de sorte à être acceptés par tous, ridiculiser les récalcitrants. On peut dire aujourd'hui, malheureusement, dans les écoles catholiques lambda, les prêtres, ils n'ont plus cet habit, cette soutane, ni cette croix. Ben ouais, ça fait tellement mieux pour parler à tout le monde. On se sent tellement plus proche, mais des hommes, mais sûrement pas de Dieu. On voit malheureusement que ce plan est exécuté lui aussi, ce plan numéro 20, du moins dans les écoles catholiques lambda. Et mais les religieuses existent toujours dans nos écoles catholiques. Hein. Est-ce qu'il y a cette discussion de salaire? Ça, je ne suis pas au courant. Point numéro 21. Amenuiser le pouvoir du pape en détruisant ses universités. Détacher les universités du pape en disant que le gouvernement pourrait ainsi se substituer à eux. Remplacer les noms des instituts religieux par des noms profanes pour encourager l'œcuménisme. Par exemple, au lieu de l'école Immaculée Conception, vous direz École supérieure nouvelle. Instituer une commission œcuménique dans chaque diocèse et veiller à ce qu'elle soit contrôlée par la partie protestante. Interdisez les prières pour le pape
et Marie parce qu'elles ne sont pas œcuméniques. Annoncez que l'évêque local représente l'autorité compétente et soutenez que le pape n'est qu'une simple figure de proue. Expliquez aux gens que l'enseignement papal n'est utile que dans la conversation, mais qu'il n'est pas d'importance ailleurs. Ouais, ben, j'ai fait du catéchisme il y a assez longtemps. Et bon, on m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas parler du pape, hein, que ça n'avait aucun espèce d'intérêt. Quant à muser le pouvoir du pape, le pape ben, François l'a fait tout seul. Il a dit qu'il était que l'évêque de Rome. Pape, non. Vicaire du Christ, non. Il s'est destitué lui-même. Donc il a, encore une fois, c'est lui qui a accompli ce point numéro 21, comme quoi le pape François est vraiment quelqu'un d'important dans le satanisme, parce qu'il est vraiment le bras droit de l'antichrist. Hein. Il est vraiment celui qui amène l'antichrist. Hein. Et oui, qu'il n'y ait plus de soutane, tout ça, ça fait partie du lot. Quant à l'œcuménisme, ben, François le prône d'une manière virale, virtuelle. Il en parle en long et en travers tout le temps. Et il est évident que dans les écoles catholiques, ben, aujourd'hui, elles ne sont plus catholiques, on peut dire qu'elles sont protestantes. C'est vrai que j'ai assisté aussi, moi j'ai été dans des cours de catéchisme, j'aidais quelqu'un, il me dit non, non, le groupe d'enfants, il ne faut pas l'appeler sainte quelque chose, il faut dire un nom tout à fait banal. Ben oui, c'est tellement mieux, ça correspond à ce point numéro 21. Et il n'y avait personne pour l'en empêcher. Hein. Elle a donné un nom à son groupe de catéchisme qui n'avait rien de saint. Point numéro 22. Combattez l'autorité du pape et mettez un âge limite à sa fonction. Réduisez la limite d'âge petit à petit en expliquant que c'est pour le préserver d'un travail excessif. Mais ce point numéro 22, c'est Benoît XVI qui l'a appliqué. Il s'est lui-même interdit de continuer en disant « mais je peux pas, je suis fatigué », etc. Ce point 22, c'est Benoît XVI qui l'a appliqué et qui a été le premier à faire comprendre ce point 22. C'est qu'il fallait que l'autorité du pape elle soit attaquée et qu'il fallait mettre un âge limite. C'est là où on comprend que Benoît XVI n'offre pas pour Dieu, malheureusement. Parce que ça fait quand même le deuxième point qu'il concerne. Point numéro 23. Soyez audacieux. Affaiblissez le pape en introduisant des synodes d'évêques. Le pape deviendra alors seulement une figure représentative comme en Angleterre où la chambre haute et la chambre basse règnent et donnent leur ordre à la reine. Puis affaiblissez l'autorité de l'évêque en instituant des institutions cohérentes au niveau des prêtres. Dites que c'est ainsi que les prêtres pourront recevoir l'attention qu'ils méritent. Enfin, affaiblissez l'autorité des prêtres pour la création des conseils paroissiaux, des groupes de laïcs qui dominent les prêtres. De cette façon, vous ferez naître une telle haine que les cardinaux eux-mêmes abandonneront l'Église, et alors l'Église sera démocratique, la nouvelle Église. Bon, on voit que dans l'Église concilière, c'est tout à fait ça. Hein. Ce sont les laïcs qui dirigent, et qui ont beaucoup d'importance, qui disent même aux prêtres, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Moi, j'ai vu des laïcs qui nous recevaient, qui pour la communion solennelle, et qui disaient, bah non, ce n'est pas la peine de la faire, ce n'est pas utile. Voilà, c'est ce que j'ai entendu de la part d'une laïque. Et on voit que ce plan numéro 23 accompli depuis plusieurs années. Hein, parce que les laïcs ont pris énormément d'importance dans le choix des chants, etc., etc. Sans que personne leur dise quoi que ce soit. Du coup, le prêtre a beaucoup moins d'importance. Son pouvoir est affaibli, il n'y en a quasiment pas. Quant au pouvoir du pape, c'est Benoît XVI et puis surtout François qui ont fait...